Bonjour les CPB, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle semaine de travail. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai 2020. Hier, nous étions dimanche 10 mai. Et demain, nous serons mardi 12 mai 2020. Je vais vous montrer votre travail pour aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions découvert ensemble le son I, qui s'écrivait I deux L, et que nous avions vu par exemple dans le mot papillon. Aujourd'hui, nous allons découvrir le son I. Le son I va s'écrire de deux façons différentes, A-I-L, ou alors A. I, L, L, avec un E à la fin. Donc pour cela, rends-toi à la page 112 de ton manuel et regarde l'exercice 3. Dans cet exercice, on te rappelle comment écrire le son I en respectant la hauteur des lignes, le A et le I qui font une seule interligne et le L qui monte de trois interlignes. Alors, pour écrire le son I, comme je te le disais, il faut utiliser trois lettres, la lettre A, la lettre I, la lettre L. Quand le nom est masculin, ça veut dire que quand je dis le ou un, eh bien, le mot s'écrira A-I-L. Par exemple, le rail. Un détail. Je te laisserai lire les autres mots. En revanche, si le mot est féminin, si on dit la ou une, eh bien, le son aïe s'écrira A-I-L-L-E, comme dans le mot médaille, une médaille. Donc aujourd'hui, il faut que tu retiennes ça. Si je dis le devant le mot, j'écrirai aïe, A-I-L. Mais si je dis la, devant le mot, j'écrirai I, A, I, L, L, E. Pour vous aider à comprendre les mots que vous lisez à la page 112 du manuel, j'ai réécrit les mots dans le tableau et j'ai ajouté des images pour que tu n'aies pas à aller les chercher. Donc, dans les mails que tu vas recevoir, eh bien, tu auras ce document qui reprend les mots du son I. Avec plusieurs images, on va le regarder ensemble, ce document. Le rail, c'est la partie sur laquelle roule le train. On appelle ça le rail. De l'ail, pour faire la cuisine. Un détail, c'est une chose peu importante. Un épouvantail. Un épouvantail, c'est un petit bonhomme qui a été fabriqué, qu'on met dans le jardin pour effrayer et éloigner les oiseaux qui viennent picorer les graines. Un portail, ça vient du mot porte, c'est ce qui permet de fermer ou d'ouvrir une propriété. Un travail. Pour toi, le travail, ça se passe à l'école. La taille. Alors, la taille, ça peut être quand on coupe les branches des arbres ou des arbustes. Ici, on voit un monsieur qui coupe les branches de la vigne ou pousse le raisin. La taille, c'est aussi quand on regarde le plus petit ou le plus grand. On mesure sa taille. Le maillot. Ici, le maillot de foot. Des cailloux. La médaille. Ici, la médaille olympique en sport. La bataille. Alors ici, c'est le jeu de cartes qui s'appelle la bataille auquel on a joué un petit peu en classe en début d'année.
La bataille, quand c'est le combat, quand ce sont des armées qui se battent, des militaires qui se battent. La paille, qu'on trouve dans les champs. Le tailleur, ici c'est le vêtement pour femme qui est composé d'un pantalon, d'une veste. Le tailleur, c'est le même mot, hein, tu vois, mais il ne veut pas dire la même chose. Ici, c'est le monsieur qui fabriquait des vêtements, comme dans une histoire, par exemple, Le Vaillant Petit Tailleur. Peut-être que tu connais cette histoire, qui est un conte très célèbre. Une écaille. Alors, ça peut être une écaille d'un poisson, c'est-à-dire le revêtement de sa peau, ou ça peut être une écaille d'un pangolin, par exemple. C'est le seul mammifère qui possède des écailles. Et on en a beaucoup parlé en ce moment parce que c'était lui qui semblait être porteur du virus qu'on connaît aujourd'hui. Un vitrail, c'est une vitre décorée dans une église. Tu remarques à chaque fois qu'on voit le mot un devant le mot, eh bien le son I s'écrit AIL. Mais si on voit une ou la devant le mot, le son I s'écrit AILLE. Donc je te laisserai lire les mots plusieurs fois. Maintenant que tu as lu les mots de la fiche du son I, prends ton ardoise ou ton cahier pour faire une dictée de mots. Clique sur pause, le temps de prendre ton matériel. C'est parti, nous commençons. Écris le rail. Le rail. Tu écris bien ce que tu entends, hein? Le rail. Clique sur pause pour écrire le mot. On écrit le deuxième mot. Le travail. Le travail. Écris bien les sons que tu entends. Le travail. Clique sur pause pour écrire. Troisième et dernier mot. La bataille. La bataille. Pense bien, là j'entends la devant le mot bataille, ça veut dire que je dois mettre quelque chose à la fin. La bataille. Fois que tu as terminé d'écrire les trois mots, reprends ta fiche du son I ou ton livre et corrige les mots à l'aide du modèle. Si tu as juste, dessine un petit trait vert à côté du mot. Si tu as une erreur ou si tu as oublié une lettre, réécris le mot entièrement à côté. Passons maintenant à la dictée de phrases. Toujours deux phrases aujourd'hui. La première, la plus simple. Les enfants jouent à la bataille. Ici, tu repères, comme on le fait d'habitude, la majuscule et le point. C'est extrêmement important de penser à ces deux choses. Les, c'est un mot outil que tu connais bien. Tu ne dois plus faire d'erreur. D'ailleurs, quand je dis les enfants, hein, le mot, c'est bien le mot enfant qui commence par le son en et non pas par le son zan, hein. On entend zan parce que il y a la liaison entre les deux. Tu vois la liaison là, entre le s et le en. Hein, on ne dit pas les enfants, on dit les enfants. Ça te fait penser qu'à les, il y a bien un s. C'est une façon de se souvenir de l'écriture du mot les. Donc les enfants, dans le mot enfant, j'entends deux fois le son en. D'abord en et le deuxième an. Ce ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est à remarquer. À la fin du mot enfant, il y a deux lettres que je n'entends pas. D'abord le s parce qu'il y a plusieurs enfants. Hein, on dit bien les enfants, c'est qu'il y en a plusieurs.
Et s'il y en a plusieurs, eh bien je mets un S à enfant. Et il y a aussi le T que j'entends par exemple dans le mot enfantin, enfantillage, hein, enfantin, enfantillage, enfanté. Donc c'est un T qui est toujours là mais que je n'entends pas dans le mot enfant. Donc deux lettres à repérer. Le mot suivant, joue. Donc dans joue, j'entends j et ou. Donc pour le début, il n'y a pas de piège. Pour la fin du mot, en revanche, tu vois qu'il y a trois lettres en bleu qu'on n'entend pas. Donc le mot joue, c'est un verbe, c'est une action. Les enfants, c'est ce qu'ils font, ils jouent. Eh bien, à la fin du verbe, quand il y a plusieurs personnes qui font cette action, eh bien, je mets ENT à la fin, mais je ne l'entends pas. D'accord? Donc, les, pour dire qu'il y a plusieurs enfants, je mets le S à enfant et je mets ENT à joue, pour dire qu'il y en a plusieurs qui jouent. À la bataille, A avec accent, là, pas de piège, et bataille, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, bas. BA, pas de piège. T, je l'entends. Et le son AI, AILLE, parce que je dis bien la bataille, c'est féminin. Donc, je mets deux LE à la fin. Deuxième phrase pour les autres élèves. Après leur travail, virgule, pensez bien à la virgule, les enfants jouent à la bataille. Pensez bien à la majuscule, le point. Ici, on aura deux fois le son AI. AIL pour le mot travail, parce que je dis un travail, c'est masculin, je dis le travail. Et bataille, AILLE, parce que je dis la bataille. Hein, ce n'est pas le même son AI. À toi de regarder le modèle, puis d'écrire la phrase ou la faire dicter par un de tes parents. À toi de jouer. Pour commencer cette séance de mathématiques, je te propose un petit travail. On va commencer à parler du calcul approché. Le calcul approché, c'est un calcul que tu dois faire en fait sans calculer. Tu ne dois pas compter, tu ne dois pas calculer. Voici une opération. 29 plus 37. Je te propose trois réponses. 66. 28 ou 100? La bonne réponse fait partie de ces trois réponses que tu vois là. Sans calculer, sans compter, tu dois retrouver la bonne réponse. Pour le moment, on ne regarde que l'addition, on ne fait que celle que tu vois surlignée. Tu peux mettre pause pour réfléchir, pour regarder les nombres et essayer de trouver la réponse qui, selon toi, serait correcte. Voilà, tu as trouvé une réponse, peut-être que tu penses que ça fait 66, peut-être que tu penses que 29 plus 30, 37, ça fait 28, ou peut-être que tu penses que ça fait 100. Alors déjà, on va regarder les nombres. Ici, par exemple, je vois le nombre 29 et là je vois le nombre 37. Si je les mets ensemble, je vais avoir un nombre plus grand qui sera forcément plus grand que 29 et qui sera forcément plus grand que 37. D'accord? Donc ici, on a une réponse qui n'est pas possible. Est-ce que tu l'as trouvée? Eh oui, c'est 28. Cette réponse n'est pas possible. Parce que 28 est plus petit que 29 et 28 est aussi plus petit que 37. Alors que nous, on cherche un nombre qui est plus grand que les deux. Donc, la bonne réponse, c'est soit 66, soit 100. Quand on regarde les nombres, on voit par exemple que 29, c'est tout près d'un autre nombre. Est-ce que tu sais vers
tout près, vers quel nombre 29 se trouve dans le tableau des nombres? Oui, tu as raison, 29, il est tout près de 30, d'accord? 29, c'est presque 30. Et puis dans 37, j'entends aussi 30. Et combien ça fait 30 et encore 30? 30 plus 30 égale 60. 3 dizaines et 3 dizaines, ça fait 6 dizaines. Donc ça fait 60. Donc le nombre que je cherche, eh bien, il est tout près de 60. Est-ce que tu as trouvé la réponse? Est-ce que c'est 66 qui est tout près de 60? Ou est-ce que c'est 100 qui est tout près de 60? Tu as raison, c'est bien 66. On va regarder ça avec une petite présentation. Voici l'opération que nous venons de voir. 29, 2 dizaines et 9 unités, plus 37, 3 dizaines et 7 unités. Je vais déplacer mes dizaines et mes unités pour voir si on se rapproche de 60 ou bien de 100. Donc dans 29, j'ai 2 dizaines, donc je les mets ici et je vais prendre les 3 dizaines de 37. J'ai donc en tout 5 dizaines. Je vais maintenant déplacer mes cubes pour les mettre tous ensemble. Bon, je pense que je peux les prendre comme ça. Hop. Et hop. Si je déplace celui-ci vers les autres, qu'est-ce que je vois? Une nouvelle dizaine. Donc je n'ai plus 5 dizaines. J'en ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc 6 dizaines et des unités à côté. Donc, sans compter, je vois bien que je suis très loin de 100. Ici, il me restait 6 unités. Donc, on voit bien que la réponse était 66. Tu dois te demander pourquoi je te demande de trouver la réponse d'une opération sans calculer. Ça va t'aider le jour où tu vas rencontrer un calcul, où tu vas trouver un résultat, et ce résultat, bah, parfois, il paraît juste, ou alors il paraît complètement faux, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'est trompé. Il est important, quand on trouve le résultat d'une opération, de se poser la question, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Tu vois par exemple que dans l'opération 29 plus 37, si je calcule et que je fais une erreur dans mon calcul et que je trouve 28, eh bien mon cerveau doit me dire, attends, non, ce n'est pas possible, puisque 28 est plus petit alors que nous on cherche un nombre plus grand. Voilà, c'est très important d'avoir cet esprit critique et de se demander si la réponse elle est possible ou non. On va faire une deuxième opération. 39 moins 27. Cette fois-ci, tu vois, c'est une soustraction. 39 moins 27. Par exemple, j'ai 39 bonbons. J'en ai mangé 27. Combien en reste-t-il dans ma poche? Donc toujours pareil, sans calculer. Tu as trois propositions de réponse. 25, 38, 12. Alors regarde bien les nombres, clique sur pause, le temps de réfléchir, de regarder les nombres pour essayer de trouver la réponse qui te semble correcte. Voilà, tu as une réponse soit 25, soit 38, soit 12. On va regarder s'il y a des réponses qui sont possibles ou d'autres qui ne sont pas du tout possibles. D'accord? Alors, ici, j'ai 39 bonbons dans ma poche. Si j'en mange 27, j'en ai mangé beaucoup déjà, hein, j'en ai enlevé une grande partie. D'accord?
Donc ici, on a une réponse qui n'est pas possible. D'accord? On a 39 et on cherche un nombre qui va être bien plus petit que 39, hein? On en a mangé beaucoup. Donc par exemple, ici, 38 n'est pas une réponse possible. Parce que 38, c'est tout près de 39, hein? C'est 39 et j'enlève 1. Ici, vous voyez que je ne veux pas enlever 1, je veux enlever 27. 27, c'est beaucoup. Donc 38 n'est pas une réponse possible. La réponse possible, ce sera soit 25, soit 12. Je te laisse remettre pause, hein, si tu as besoin de réfléchir à nouveau. Voilà, tu as une nouvelle réponse, ou peut-être la même réponse que tout à l'heure. On va regarder ensemble. Ici, par exemple, je vais simplement regarder mes dizaines. D'accord? 39, c'est tout près de 40. D'accord? Tout près de 40. Si j'enlève 27, ça veut dire qu'à 40, je vais enlever d'abord 20 et ensuite 7. D'accord? Quand j'enlève 27, j'enlève 20 et j'enlève 7. Si j'enlève 2 dizaines à 4 dizaines, j'ai 4 dizaines, j'enlève 2 dizaines, il m'en reste 2. D'accord? Donc j'ai 2 dizaines, mais il faut encore que j'enlève cette unité. Donc le nombre que je cherche, il sera plus petit que 2 dizaines, il sera plus petit que 20. Est-ce que tu vois un nombre plus petit que 20 ici? 25 ou 12? Oui, 12 est plus petit que 20. C'était 12 la bonne réponse. Et on va le regarder avec une petite présentation. L'opération que nous venons de voir ensemble. Ici, donc, nous avons 39, 3 dizaines et 9 unités. Moins, ça veut dire que j'enlève 27, hein, puisque je vois les 2 dizaines qui sont là, et les 7 unités qui sont ici. Donc ici, je vais partir du grand nombre, 39, et dans le 39, je vais enlever la même chose que ça, que ce paquet-là. D'accord? Ici, celui-là, je ne vais pas le toucher, je vais simplement enlever la même chose qu'on voit ici, là. Donc par exemple, ici, je vois deux barres. Donc dans 39, je vais enlever mes deux barres. J'aimerais bien l'enlever. Voilà. Une barre. Voilà. Et j'enlève la deuxième barre. Tu vois, ici, j'ai bien enlevé les 2 dizaines que je viens de manger. Il ne me reste donc plus qu'une seule dizaine. Maintenant, je vais enlever les 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais les enlever, hein, de mon paquet du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Sur mes 39 bonbons du début, il me reste donc une dizaine de bonbons et 2 unités de bonbons. Il me reste donc 12 bonbons. Ensuite, sur ton ardoise ou sur ton cahier, écris les opérations suivantes et trouve la réponse le plus vite possible. Cette fois, tu as le droit de calculer, tu as le droit de compter. À toi de jouer. Clique sur pause pour faire tes opérations. Aujourd'hui, je vais t'apprendre la technique des presque doubles. Tu connais déjà tes doubles par cœur. C'est un apprentissage qu'on fait depuis le début de l'année et normalement, eh bien, toutes ces opérations-là, tu les connais par cœur. Et parfois, tu dois résoudre des opérations qui ressemblent à des doubles. Par exemple, 4 plus 5. Eh bien, pour résoudre cette opération, tu dois utiliser ce que tu sais déjà. Ce que tu sais déjà,
c'est que 4 plus 4, ça fait 8. On le voit dans notre tableau. Tu sais aussi que 5, c'est 4 plus 1, c'est 4 et encore 1. Eh bien, c'est ça qu'on va utiliser pour notre technique des presque doubles. Ici, tu vois la même opération. 4 plus 5. Tu vois les 4 cubes violets et les 5 cubes marrons. Je dois les mettre ensemble. Alors, on avait dit que 4 plus 5, c'est la même chose. Donc, dans 5, hein, je peux voir un 4. Est-ce que tu le vois, le 4 qui est caché dans 5? Regarde bien. Est-ce que tu le vois mieux? Hein, dans 5, eh bien, j'ai 4 et 1. Quand on voit les cubes rangés comme ça, tu vois bien les 4 cubes violets plus les 4 cubes marrons plus le petit cube marron tout seul. On dit donc que 4 plus 5, c'est pareil que 4 plus 4 plus 1. Et 4 plus 4, tu sais très bien combien, tu sais très bien, hein, combien ça fait. 4 plus 4, tu le sais avec tes doubles, ça fait 8. 8 plus 1 égale 9. Donc on dit que 4 plus 5 égale 9. Tu viens d'utiliser un double pour trouver la réponse d'un presque double. Donc pour faire 4 plus 5, eh bien, je transforme mon 5 pour voir apparaître un double. Ici, 4 plus 5 est égal à 4 plus 4 plus 1. Je calcule d'abord 4 plus 4, ça fait 8. Et j'ajoute le 1. 8 plus 1 égale 9. En utilisant cette technique que je viens de te montrer, et en utilisant aussi du matériel si tu en as besoin, tu peux utiliser comme moi des petits cubes si tu en as à la maison, des Legos, tu peux utiliser des cuillères, tu peux utiliser des billes pour pouvoir justement déplacer et bien voir apparaître les doubles. Tu vas réaliser deux opérations, 6 plus 7 et 7 plus 8. À toi de jouer. Tu peux cliquer sur pause pour résoudre ces opérations. Nous allons résoudre ensemble la première des deux opérations, 6 plus 7, en utilisant notre technique. Ici, je vois 6 et ici, je vois 7. Donc, dans mes 7, je vais essayer de faire apparaître mon 6. Pour cela, je vais déplacer mes cubes. Je vois donc maintenant 5 et 1, 6. On dit que 6 plus 7, c'est égal à 6 plus 6 plus 1. Parce que 6 plus 1, je te rappelle, hein, ça fait bien 7. Ici, je vois donc maintenant apparaître le double que je connais bien. 6 plus 6 égale 12. 12 plus 1, ça fait 13. On dit donc que 6 plus 7 est égal à 13. Terminons cette séance de mathématiques par une histoire mathématique. Lisons d'abord l'histoire ensemble. Papy plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Papy plante 4 rangées
de trois plants de tomates. Dans cette histoire, nous parlons de papy. Le papa de papa ou le papa de maman. Nous parlons de rangée. Des rangées, c'est quand on met plusieurs objets les uns à côté des autres en suivant une ligne. Et nous parlons aussi de plants de tomates. Les plants de tomates, c'est une fois que la graine de tomate a germé, eh bien on voit apparaître une petite plante, d'accord, qui plus tard va grandir et va donner des tomates. Mais quand c'est une petite plante comme ceci, eh bien on appelle ça un plant de tomates. Alors comme j'ai un jardin, j'en réalise moi-même des plants de tomates. Donc j'ai réalisé des semis, j'ai dans un petit pot avec de la terre, du terreau, un peu de sable, eh bien on met la graine. Ensuite, on arrose, on met à la lumière et ensuite on voit apparaître des petits plants de tomates. Donc là, on en voit un très très grand déjà, parce que ça fait une ou deux semaines au moins, 3 semaines qu'on les a plantés. D'accord? Et on voit même apparaître d'autres petits plants de tomates ici, que je mettrai dans des pots individuels. Et ces plants, ensuite, je les planterai en rangée dans mon jardin, quand les températures seront un peu plus chaudes que maintenant. Donc tu vois, ça c'est un plant de tomate. Revenons à notre histoire. Donc papy, lui, plante 4 rangées de 3 plants, comme je viens de te montrer. La question qu'on se pose, c'est combien y a-t-il de plants de tomates en tout? D'accord? On sait que dans une rangée, il y a 3 plants de tomates. D'accord? Mais il n'y a pas qu'une rangée, hein. Regarde bien, il y en a plusieurs. Je te laisse donc cliquer sur pause. Tu peux dessiner le jardin de papy en dessinant les rangées avec les plants de tomates. À toi de jouer. Voilà, tu as dû trouver une réponse à notre problème. Eh bien, on va utiliser les cubes pour trouver la réponse de cette histoire. Donc, papy a planté 4 rangées de 3 plants de tomates. Donc, je vais faire des rangées de 3 plants de tomates. Une première rangée avec 3 plants de tomates. Tu vois, 1, 2, 3. Et ils sont bien en rangée, hein, ils sont en rang aligné. Donc là, j'ai déjà une première rangée. Je vais donc en faire une deuxième. Voici ma deuxième rangée. Ah, on a un cube, voilà. Voici mes 2 rangées de 3 plants de tomates. Mais moi, je ne veux pas 2 rangées, hein. Je veux 4 rangées. On voit ici que 2 rangées de 3 plants de tomates, ça fait 3 plants, et encore 3 plants, ça fait 6 plants de tomates. D'accord? Il me manque encore 2 rangées à dessiner. Si tu n'avais pas bien compris le problème, tu peux cliquer sur pause et terminer la présentation que je viens de faire pour trouver une nouvelle réponse, avant que je donne la réponse moi-même. Voilà, tu as peut-être modifié ta réponse. Alors moi, je vais continuer ma démonstration. Je vais dessiner, pardon, ma troisième rangée de plants de tomates. Et enfin, ma quatrième rangée de 3 plants de tomates. Voilà. Combien j'ai donc de plants de tomates en tout? Là, j'en ai 3. 3 plus 3, eh bien, ça fait 6. Ici, j'ai encore 3 et 3, ça veut dire encore 6. 6 plus 6, tu le sais, c'est un double qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait 12. Papy a donc planté
12 plants de tomates. En anglais aujourd'hui, nous allons parler du temps qu'il fait dehors. Et je vais t'apprendre des nouveaux mots que tu vas devoir mettre dans ta mémoire. Lorsqu'il fait soleil, on dit It's sunny. It's sunny. You can repeat. It's sunny. Very good. Quand le temps est nuageux, on dit It's cloudy. It's cloudy. Repeat. It's cloudy. OK. Cloudy, ça vient du mot cloud, qui veut dire le nuage. Le cloud, c'est aussi un mot qu'on retrouve en informatique. Quand il neige, on dit It's snowy. It's snowy. It's snowy. Very good. Et lorsqu'il pleut, It's rainy. It's rainy. Repeat, please. It's rainy. Very good. On va reprendre le jeu qu'on avait fait la dernière fois. J'annonce une météo et puis à toi de montrer avec ton doigt le temps dont je parle. Donc si je dis It's cloudy, tu dois montrer le nuage. Si je dis It's snowy, tu dois montrer la neige. It's sunny, le soleil. It's rainy, la pluie. Tu es prêt? C'est parti. It's snowy. It's cloudy. OK. It's sunny. It's cloudy. Yes. It's rainy. Allez, maintenant je ne t'aide plus. Je laisse mon curseur de côté et je vais essayer d'aller de plus en plus vite. Tu es prêt? Are you ready? Let's play. It's sunny. It's cloudy. It's rainy. It's sunny. It's rainy. It's snowy. It's cloudy. It's sunny. It's snowy. It's sunny. It's snowy. It's rainy. It's cloudy. Congratulations, you can applause. Very good. Complétez ce travail sur le temps qu'il fait. Rends-toi sur le Padlet dans la colonne musique et regarde la vidéo qui s'appelle How's the weather? Et essaye, en écoutant la vidéo, de repérer les mots que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Si tu le peux, regarde une nouvelle fois la vidéo, une deuxième fois, et essaye de dire les mots en même temps, ou en tout cas de les répéter. Rends-toi maintenant sur le Padlet pour regarder la petite vidéo très courte qui parle de l'égalité entre les filles et les garçons. Si tu le souhaites, tu peux m'écrire un petit message sur un mail ou faire un petit enregistrement audio avec le téléphone de tes parents pour me raconter ou pour nous raconter une histoire dans laquelle tu as pensé ou on t'a fait penser que certaines activités n'étaient pas faites pour toi parce que tu n'étais pas une fille ou parce que tu n'étais pas un garçon. Si tu as une petite anecdote à nous raconter, ce serait super intéressant. Moi, si tu veux, j'en ai une à vous raconter. Dans les premiers jours où ma deuxième fille Inès est allée à l'école maternelle, je lui ai demandé à quoi elle avait joué. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas joué aux voitures. Et je lui ai demandé pourquoi tu n'as pas joué aux petites voitures. Et ce jour-là, elle m'a dit parce que les petites voitures, c'est pour les garçons. J'ai trouvé ça très curieux qu'une petite fille n'ait pas le droit de jouer aux petites voitures si elle en a envie. Donc je lui ai expliqué, et parfois aujourd'hui, elle joue aux petites voitures. Donc si toi aussi tu as une petite histoire à raconter,
N'hésite pas à m'envoyer un petit message écrit ou oral par l'intermédiaire de la boîte mail. Pour cette séance de sport, eh bien, rends-toi sur le Padlet dans la rubrique musique, poésie, chant et documentaire. Et je t'ai préparé une petite séance de mini-yoga qui s'intitule le Lynx. Ça va te permettre de bouger, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien à ton corps. Profites-en, amuse-toi bien et fais-le avec papa et maman. Ça va leur plaire aussi. Pour demain, eh bien, je te propose simplement de relire les mots de la fiche du son aïe, soit les mots donc, qui sont sur la fiche si tu veux revoir les images, soit tu peux relire ces mots qui sont dans l'exercice 3 de la page 112 de ton livre de lecture. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Prenez soin de vous.